J'ai décidé de faire la masterclass parce que c'est des amis qui m'en ont parlé. On a besoin d'avoir des outils et ces outils-là, la masterclass les donne complètement. Je suis en troisième année de médecine. Je sais que je serai confrontée à certaines problématiques comme le début, fin de vie, les diagnostics prénatals et l'avortement notamment. Enfin, c'est des sujets sur lesquels je me pose beaucoup de questions. Ce qui est chouette avec cette masterclass, c'est qu'on rencontre des étudiants qui ne sont pas seulement donc, en médecine, mais en fait dans tout un tas d'autres études. Une aide importante dans les débats qu'on peut avoir par rapport aux sujets sensibles qu'on peut aborder à la fac avec d'autres étudiants en médecine. Il y a un nombre d'intervenants vraiment riches. Voilà, on a eu bien le temps d'approfondir les différentes thématiques qui sont abordées. Je suis du coup étudiante en pharmacie en cinquième année et ça répond vraiment aux questions que j'avais, donc c'est vraiment super. J'ai suivi cette formation parce que je suis en école d'ingénieur, donc je suis menée à faire de la recherche, notamment sur des cellules. Et je me pose pas mal de questions sur pourquoi je recherche, sur quoi je recherche, et à quoi ça va me mener. La masterclass commence par des cours d'anthropologie pour aider nos étudiants à réfléchir sur le sens de l'homme, le sens de la dignité humaine, le sens de la personne humaine, qu'est-ce que c'est qu'un corps. Je suis très heureuse d'avoir suivi cette formation. Donc je conseille vraiment à toutes les personnes qui sont intéressées par les sujets bioéthiques de venir